Volvo. Avec sa ligne de toit fouillante, la nouvelle Volvo S60 se présente comme une berline coupée dynamique. Ce caractère apparaît aussi par le réglage spécifique des suspensions pour l'Europe. Pour notre continent, il est porté sur le dynamisme, alors que pour les Américains, Volvo a davantage misé sur le confort. Pour ceux qui souhaitent pouvoir choisir entre plus de confort ou de sportivité, le châssis 4C dispose d'un contrôle de la suspension. La S60 lance une innovation très intéressante sur le plan de la sécurité. Le Pedestrian Protection est un système qui détecte les piétons. Il peut considérablement ralentir la voiture, voire carrément l'arrêter en cas de choc imminent, ce qui réduit le risque de collision mortelle. À l'intérieur, l'atmosphère est sereine, une ambiance renforcée par le système audio multi-EQ qui filtre les bruits parasites. Au lancement, on aura le choix entre 4 moteurs, 2 à essence et 2 diesel. Par la suite, 2 autres solutions compléteront l'offre. Un nouveau 2 litres essence GTDI de 240 chevaux et une version Drive-E sous les 115 g de CO2. La boîte est toujours à 6 rapports, en manuel ou en automatique. Les hauts de gamme T6 et D5 proposent aussi la transmission intégrale en option. Les premières S60 seront livrées en novembre.